Bonsoir à tous. Je vous présente donc Philippe Labreau. Bonsoir. Alors on va discuter ensemble pendant une heure et demie de la carrière, de la vie, parce que c'est intimement lié dans le cas de Philippe Labreau. Nous parlerons probablement de politique aussi, de ce qui se passe en Amérique aujourd'hui. On prononcera peut-être éventuellement le nom de Johnny Hallyday ce soir avec vous aussi, Philippe. J'espère. Et on va commencer peut-être par le début. Qui êtes-vous finalement? Parce que on connaît évidemment le grand journaliste, le grand patron, parce que ce fut le cas, cinéaste, parolier, écrivain évidemment. Quand vous croisez quelqu'un à l'étranger qui vous dit « Et vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie ?» Vous lui répondez quoi? J'écris. Oui, parce que je pense que tout part du mot, tout part du seul don que j'ai reçu de mes parents, mais c'est un don très précieux et très important, c'est celui de la capacité de raconter et l'envie d'écrire. J'ai été élevé par un couple d'un homme et une femme très littéraires, très livresques. Mon père m'a fait lire très tôt, nous a fait lire, mes frères et moi, très tôt, beaucoup de bouquins. J'appartiens à une génération qui ne connaissait évidemment pas la télé, évidemment pas tous les accessoires actuels de la modernité, donc il y avait la lecture avant toute chose, et la lecture vous donne le goût et l'envie des mots, et même à la limite l'envie de faire non pas comme ces grands écrivains qu'on vous propose, mais d'aller dans la même direction, c'est raconter. J'ai donc, alors s'il fallait que je réponde à une question, effectivement, je dirais, je suis un raconteur. Alors, on raconte via beaucoup de choses dans la vie, on raconte via le cinéma, on raconte via les paroles d'une chanson, on raconte via la poésie, via le roman. C'est aussi ce qui va nous intéresser aujourd'hui, votre carrière romanesque, où vous vous êtes sans cesse raconté, vous avez raconté votre vie et celle des gens que vous aimiez. C'est le cas avec votre dernier livre qui s'appelle « Ma mère, c'est inconnu » et on va y venir évidemment. Vous avez raconté votre enfance dans un roman qui s'appelle « Petit garçon ». Vous avez rencontré votre adolescence dans 15 ans. Vous avez raconté votre émancipation et vos premiers voyages lorsqu'à 17 ans, vous allez partir aux États-Unis étudier à l'université. C'était l'étudiant étranger et puis les quelques mois de vacances dans un été dans l'Ouest. Vous avez raconté des événements plus tragiques de votre vie, votre expérience de mort imminente, c'était dans la traversée. Vous avez raconté aussi la dépression qui vous a touché, qui était tombée 7 fois, se relever 8, que je trouve être un très grand titre. C'est pas moi, hein, c'est un proverbe japonais. Voilà, et c'est absolument magnifique, je trouve. Et donc, se raconter. Dans les romans, tout le monde ne se raconte pas. Vous avez choisi de le faire. C'est quoi pour vous un roman, aussi simplement que ça? Alors, le très grand écrivain et poète français Aragon disait « Le roman, c'est l'art de brouiller les cartes ». C'est-à-dire, vous prenez les cartes de votre propre vie, ce que vous avez pu vivre, ensuite ce que vous avez pu observer, ce qu'on a pu vous raconter, à la limite aussi la carte de vos lectures, parce qu'un écrivain, c'est d'abord un lecteur, et puis les cartes de l'imaginaire, de l'imagination. Parce que vous dites, je raconte ma vie, d'accord, sauf que si j'ai mis le mot roman sur trois quarts des couvertures de mes bouquins, c'est parce que j'ai beaucoup inventé à l'intérieur de cette vie vécue. Vous racontez votre enfance, il peut arriver une petite anecdote qui dure 5 minutes, vous en faites, comme vous étiez romancier écrivain, un chapitre entier, auquel vous ajoutez des personnages qui n'étaient pas là, des dialogues qu'évidemment vous n'avez pas entendus, et ça s'appelle, au fond, il y a un arbre et il faut mettre des branches. Il faut commencer à faire fleurir l'arbre et raconter, au fond, qu'est-ce qu'un roman, c'est un récit d'initiation, selon moi, et d'apprentissage. C'est d'ailleurs une des grandes écoles du roman français. C'est-à-dire qu'au fond, c'est un chemin. Vous partez d'un point précis, d'un personnage ou de plusieurs personnages précis, et vous les emmenez à une conclusion. Et entre les deux, il se passe des choses. Voilà. Et les choses, on les invente, on les rapporte, on les construit, avec surtout, ça a toujours été mon obsession, prendre le lecteur par l'épaule et ne pas le lâcher. Alors aujourd'hui, ils ont une expression, ça fait un moment qu'elle existe, les Américains ou les Anglais, ils appellent ça un page turner, c'est-à-dire quelqu'un qui fait tourner les pages. Et il est vrai que moi, mon plaisir, quand je lis le livre de quelqu'un d'autre, si à la fin du chapitre, j'ai envie de tourner la page, je suis embarqué. Et donc, mon souci, c'est cela aussi, parce que dans le goût de l'écriture, il y a aussi le goût de s'exprimer devant les autres. On écrit pour soi d'abord,
on écrit aussi pour le public. Alors, vous parlez de roman d'apprentissage, c'est effectivement ce qui définit le mieux votre œuvre littéraire, Philippe Labro. Alors, on est ce qu'on est, des parents qu'on n'a pas choisis, évidemment. Et puis, on entre dans la vie, on est enfant, adolescent, jeune adulte, on fait des erreurs, on se marie, on refait une erreur, on se remarie, etc., etc. Et puis, après, ouais, on à la fausse, c'est pas la scoop, on meurt. Pour vous, qu'est-ce qu'il est important d'apprendre dans la vie ? Vous apprenez toute votre vie. Mais qu'est-ce qu'il est important d'apprendre ? Parce qu'on apprend une série de choses absolument inintéressantes aussi dans sa vie. Oui, mais vous apprenez la nature humaine, vous apprenez la différence extraordinaire entre chaque homme et chaque femme. Personne ne se ressemble vraiment, il y a des traits communs, mais il y a aussi la particularité de chacun. Vous apprenez l'imprévisible, l'inattendu, la surprise, l'événement qui tout d'un coup fait tourner une vie. Vous apprenez bien entendu le manque d'amour et l'amour. Marguerite Yourcenar, immense écrivain, pas tout à fait indifférente au pays auquel je me trouve ce soir, disait « Quoi qu'il arrive, j'apprends, à tous les coups, je gagne. » Alors c'est une très belle phrase, ça veut dire que tout ce que vous apprenez, quoi qu'il arrive, même si ce sont des événements difficiles, douloureux, des échecs, des maladies, tout ça, vous apprenez, vous recevez une leçon de vie, et donc à tous les coups je gagne, ça veut dire à tous les coups j'en sais un peu plus. On n'en sait jamais complètement. Et Socrate disait, je sais que je ne sais rien, donc vous arrivez au bout d'une vie, je ne suis pas encore au bout, Dieu merci, mais le chemin a déjà été assez long, et vous vous dites, que sais-je ? Ça peut faire un prochain livre. C'est un beau titre, en tout cas. Il y a une collection entière qui, en France qui s'appelle Que sais-je ? J'aimerais qu'on revienne au Petit Garçon. Petit Garçon, c'est un livre autobiographique où, à l'arrivée de la guerre, vos parents, Philippe Labro, et votre père, je pense plus particulièrement, veut quitter Paris. Et il vous fait rejoindre Montauban. Et là-bas, à Montauban, vos parents vont faire quelque chose d'extrêmement brave, évidemment. Ils vont accueillir des Juifs, alors que la situation devient de plus en plus problématique. Et je pense, j'imagine, les faire passer en Espagne via les Pyrénées. Et certains, j'imagine aussi, repartiront vers l'Amérique du Sud de là. Et ils vont être ensuite déclarés justes parmi les nations. Est-ce que, petit enfant, vous avez compris ce qu'il se passait à ce moment-là ? Et quel est le regard que vous avez eu sur cet acte héroïque par après ? Quand vous êtes petit, vous comprenez la moitié des choses, surtout que les parents ne vous disent pas tout. On voyait bien passer, moi j'étais vraiment gamin, mes frères, j'ai deux frères aînés, ils en savaient un petit peu plus. On voyait passer des gens dans la maison. Certains restaient deux, trois jours dans une cave qu'on appelait la buanderie, au dernier étage de la villa que nous occupions à Montauban, que nous habitions plutôt à Montauban. Et on se rendait bien compte, c'était pas tout à fait normal. Certains jardinaient pour quelques jours et puis ils repartaient. Et on ne les voyait plus. Il y avait parfois un gosse, une petite fille. On jouait avec eux, puis on ne les voyait plus. Donc moi, je comprenais qu'il se passait quelque chose de sérieux. Comme on faisait les oeuvres, parce qu'on était quatre garçons, et quatre garçons ensemble, le principal résultat, c'est le chaos et le désordre, le bruit, les jeux, l'inconscience, l'irresponsabilité. À un moment donné, quand même, de toute cette période très difficile, mon père nous a convoqués dans son bureau. C'était un homme admirable, mon père, grande figure, les cheveux blancs, une sorte de Père Noël, un juge. Et il nous faisait très peur, on avait énormément de respect pour lui. Il nous a dit, écoutez, maintenant, il faut arrêter de faire les imbéciles, parce que voilà ce qui se passe. Et il a exposé, de façon assez simple, le principe de la solidarité. Il y a des gens qui souffrent, ils ont peur. Vous savez très bien que nous sommes occupés par une armée étrangère, ils en ont peur, d'autant plus ce sont des Juifs, vous ne savez pas ce que c'était que des Juifs, 6 ans, vous savez, 6 ans en 41, 42, je ne sais plus, vous ne savez pas. Et nous essayons de les aider, et par conséquent, on vous demande de ne pas trop faire
bruit, de pas trop faire les imbéciles dans la grande route là qui était le long de la maison, parce que c'est pas la peine d'attirer la curiosité. Soyez un petit peu plus prudents. Et donc à ce moment-là, c'est très intéressant parce que ils nous introduisent dans un mystère, dans une aventure à la limite. Et même parfois, ils nous proposent, ils nous demandent de faire une petite course, d'aller porter en vélo tel ou tel courrier. Et donc on est un peu impliqué. Et puis la grosse implication arrive lorsque, moment absolument invraisemblable, et qui est du roman, sauf que c'est la vérité, le commandant de la place, le commandant allemand de la place, considérait que la maison que nous habitions était très belle et que le jardin était merveilleux, il y avait des arbres et des oiseaux, il trouvait que c'était beaucoup mieux que la caserne en ville. Donc il décide de réquisitionner, c'est l'expression précise et militaire, le premier étage de notre maison pour y dormir simplement. Il part très tôt le matin avec son ordonnance et il rentre le soir. Et mon père ne peut évidemment pas refuser. Et donc nous sommes tous au rez-de-chaussée, les quatre garçons, mon père et ma mère, et au sous-sol, il y a un couple juif avec leurs petits garçons, ou leurs filles, ou ils sont seuls. Et donc pendant quelques mois, ça ne durera pas longtemps, parce que ça s'est passé pratiquement quelques 6 à 8 mois avant le débarquement au 6 juin 1944. On a vécu cette situation romanesque, invraisemblable, de l'allemand au premier étage et des juifs à la cave. Et avec le recul, bon, quand j'étais môme, petit garçon, bon, je voyais ça comme ça, mais avec le recul, lorsque moi-même devenu adulte, j'ai commencé à prendre conscience de l'acte de bravoure et en même temps presque d'audace inconsciente de deux adultes qui mettent leur vie et celle de leurs enfants en danger, je me suis dit, ça mérite qu'on en parle. J'ai donc construit le petit garçon autour de cette époque et de ce geste, mais ça ne parle pas que de cela, ça parle de l'enfance, ça parle de cette très belle région du Tarn-et-Garonne, le sud-ouest de la France et tout. Le livre paraît, a pas mal de succès, et une dame qui vit en Israël et qui a été sauvée par d'autres justes, parce qu'il y a eu des tas de justes en France, comme ici, je sais, comme en Belgique, hein. Il y a eu beaucoup de gens qui ont tendu la main à l'opprimé. Et elle m'écrit pour me dire, monsieur, je ne vous connais pas, mais ce qu'ont fait vos parents mérite que Yad Vashem, qui est l'institution à Israël qui reconnaît les justes parmi les nations, honore vos parents. Très bien, donc tout ça se passe, témoignages, les lettres et tout, parce qu'il faut justifier. Hein. Donc j'ai recueilli quelques témoignages de gens qui avaient vécu cette période. Et un jour, et malheureusement, entre-temps, mon père avait disparu, ma mère a été honorée chez elle, à Nice, où elle faisait sa retraite. Elle était toute seule, déjà sur son petit fauteuil, elle ne pouvait plus bouger. Et j'ai fait venir, évidemment, mes frères et nos enfants. Parce que nous souhaitions que nos enfants comprennent et que le relais du devoir, de la générosité, passe. Qu'ils comprennent ce que ça avait voulu dire. Très bien, donc il y a des discours, tout ça est très émouvant. Ma mère ne dit rien. Et à la fin, moi, je me retourne vers elle, je prononce quelques mots au nom de mes frères, et je lui dis, tu as bien quelque chose à nous dire. Et elle me dit, elle nous dit, en nous regardant avec un beau sourire, c'était pas très difficile de faire ce qu'on a fait, on les aimait. Donc cette femme était tout amour, et encore aujourd'hui, quand j'en parle, je suis moi-même ému par cette extraordinaire réponse, c'est pas difficile, on les aimait. Donc c'est ça aussi la vie, vous apprenez l'amour à travers un événement pareil. Donc ça fait l'objet d'un roman, Le Petit Garçon, et j'en reparle dans mon récent livre, Ma mère, c'est inconnu. Parce que cette phrase de votre mère est absolument incroyable, c'est pas difficile, on les aimait, ça pourrait à peu près résumer ce que c'est une vie, si on voulait, et ce qui est d'autant plus incroyable, et on va en parler pour ceux qui n'ont pas encore lu Ma mère, c'est inconnu, c'est d'autant plus étonnant dans la bouche de cette femme, puisque ça a été une femme, votre mère, mal aimée, qui a manqué d'amour. Oui. Qui a manqué d'amour quand elle était enfant, puisque son père ne l'a pas reconnue, sa maman l'a tout de suite donnée à une nourrice à Genève, qui s'est occupée pendant 9 ans, et puis les finances sont venues à manquer, et donc elle a été envoyée chez sa marraine en France, et il y a eu des abandons successifs, et finalement,
votre mère est devenue non seulement le pilier de la famille, mais aussi une espèce de distributeur automatique d'amour pour tous les gens qui l'entouraient, alors que très paradoxalement, elle n'en avait pas reçu. Ah oui, mais ça c'est très intéressant, vous avez raison de le souligner. Les gens qui ont manqué autant d'amour pendant leur petite enfance, leur enfance et même leur adolescence, peuvent devenir durs, un peu secs, réticents, inhibés, et même voulant d'une certaine façon prendre leur revanche sur la vie et sur le manque d'amour. Ma mère, c'est tout le contraire, mais il est vrai qu'elle a vécu un miracle, c'est qu'à l'âge de 20 ans, elle a rencontré un homme qui avait 20 ans de plus qu'elle, mon père, tombée amoureuse de lui, tombée amoureuse d'elle, très belle jeune femme de sang polonais, très très romanesque, et ils ont fait donc 4 enfants. Et l'amour qu'elle a découvert grâce à mon père lui a fait oublier, et elle l'a oublié tellement qu'elle ne voulait même pas nous parler de son enfance, les abandons, et moins elle avait été aimée, plus elle décidait d'aimer les autres. Donc c'est un mouvement du cœur, c'est pas levé le matin en décidant « j'ai choisi de faire cela », c'est un tournant d'existence qui est selon moi admirable, qui peut arriver, il ne faut pas croire que ça n'arrive pas, mais qui a en partie dessiné pour nous, ces enfants, les chemins du devoir et de l'amour. On s'est trompé, on a tous eu des problèmes, une vie c'est compliqué, vous parliez des mariages, des divorces, tout ça. On a tous vécu cela, enfin tous, certains en tout cas. Il n'empêche qu'à un moment donné, on est revenu à ce souvenir, à cet exemple, à ce modèle qu'elle donnait, ayant tellement souffert du manque d'amour, elle avait décidé d'être tout amour. Au point qu'elle ne s'occupait, elle parlait rarement d'elle, c'est comme ça que je ne savais pas la moitié de ce qu'elle avait vécu, qu'il a fallu que je fasse une enquête, le livre est une enquête sur la vie de ma mère, et qu'elle était la mère, la grand-mère, l'arrière-grand-mère, jusqu'au son dernier soupir, ne s'occupant que des autres, vous posant des questions sur vous, jamais ne parlant d'elle. Et un exemple extraordinaire que je donne dans le bouquin, c'est que j'ai donc eu droit à toutes ces archives lorsqu'elle a disparu, puisque je voulais écrire le bouquin. Très bien. Et dans les archives, je vois une petite carte bleue avec écrit, enfin imprimé, l'essor artistique, c'est le nom, et sa photo. Très jolie photo qui d'ailleurs fait l'objet de la bande du livre que vous verrez peut-être tout à l'heure. Oui, on sait bien tous qu'il est insupportable de lire un livre avec la bande accrochée autour, oui. Vous le savez. Et je regarde cette photo et je vois Henriette Carizet, puisque c'était son nom, est habilitée à critiquer, rapporter, raconter les événements artistiques, théâtraux et autres. Donc elle était journaliste. Voilà une femme dont le fils, dont elle était si fière, était lui-même journaliste depuis très très longtemps. Elle avait accumulé ça de coupures de presse. Toutes coupures de presse me concernant, elle les avait. Je lui racontais ce que je faisais, elle me suivait à la télé, elle était évidemment ma première lectrice, le premier livre imprimé, c'est elle qui le recevait. Elle ne m'a jamais dit, tu sais Philippe, moi aussi j'ai fait du journalisme. Ce qui est encore stupéfiant de modestie, d'humilité, et j'ai essayé de comprendre pourquoi elle ne me le disait pas. Eh bien je pense que c'était simplement à ce qu'elle voulait s'effacer devant ce qui était, selon elle, la réussite d'un de ses fils. Ce qui ne devait pas être difficile pour elle, vu qu'elle l'aimait. Ben oui. Ah ben, de toutes les façons, à la base de tout, il y a cela. Hein. Le sage dit, à l'origine de tout désordre, il y a le manque d'amour. Je suis persuadé aussi. On revient en arrière, on revient dans votre bibliographie. On va découvrir, vous, adolescent, très vite, vous gagnez une espèce de bourse comme ça, ou de concours, qui va faire de vous une espèce de journaliste en herbe relativement précoce. Et puis, la précocité va vraiment vous suivre, parce qu'à 18 ans, vous partez à l'université aux États-Unis, et là, c'est un des plus grands, je pense, tournants de votre vie. Sans aucun doute, partir aux États-Unis dans les années 1950, c'était une aventure. Il faut bien voir ça.
n'y avait pas tellement de gens de mon âge qui partaient. C'était une bourse très intelligente, fabriquée et inventée par un sénateur américain qui s'appelait Fulbright, et qui avait inventé cette bourse selon quoi, pour tout étudiant américain qui allait en Europe ou ailleurs, il y avait un étudiant étranger qui venait aux États-Unis. C'est une merveilleuse idée. Après la guerre, avec le plan Marshall et toute autre manifestation, souder les liens entre l'Europe et le vieux et le nouveau continent. Donc je gagne cette bourse, je gagne en faisant un concours. Hein. Il faut écrire une page entière de raisons pour lesquelles on souhaite avoir la bourse. Moi, ma raison principale, je disais, je sais qu'il y a là-bas des écoles de journalisme, il n'y en avait pas beaucoup en France à ce moment-là, et je souhaite devenir journaliste. Pardon. Donc là, je pars avec, pour toute référence, deux adresses, dont l'une est celle d'une jeune juive que mes parents ont sauvée, et qui, c'est toujours pareil la vie, hein, c'est extraordinaire la vie, se retrouve à New York et épouse un homme, juif aussi, et donc, quand j'arrive chez eux, ils me reçoivent comme leur fils, puisque je suis le fils de ceux qui ont sauvé cette femme. Et l'autre adresse, c'était de l'autre côté des États-Unis, en Californie, parce que ces gens-là, ils habitaient à New York. En Californie, il y avait aussi un couple que mon père avait aidé pendant la guerre et qui m'ont reçu, puisque j'ai traversé les États-Unis en stop un certain nombre de fois. Et là, vous avez raison, c'est un tournant, puisque je n'ai que 18 ans, je débarque dans un pays dont je ne connais rien, sinon les lectures que j'ai pu faire quand j'étais gamin, des romans de la prairie, des romans de Jack London, sinon les films américains que j'ai vus dès que la libération a eu lieu et que sur les écrans français et autres, on a vu des personnages qu'on ne connaissait pas, puisque pendant 4 ans, on avait été privé de cinéma américain. Et tout d'un coup, voilà, Sergent York, Autant d'emporte le vent, Le justicier du Far West. Moi, mon ambition dans la vie, quand on me disait « qu'est-ce que tu veux faire ?» plus tard, je disais « justicier du Far West ouais. ». C'est modeste. J'ai pas tout à fait réussi. Bien. Et donc, nourri d'une curiosité, d'un désir américain, je débarque là et j'apprends. La première leçon, c'est qu'il faut savoir s'adapter. Il faut s'adapter à un langage. Bon, je parlais à peu près bien l'anglais, mais il faut quand même... D'abord, l'anglais et l'américain, c'est pas la même langue, comme chacun sait, ou comme chacun ne sait pas. En tout cas, les Anglais savent que c'est pas la même langue. Et ils méprisent parfois même l'argot américain et tout. S'adapter à la langue, s'adapter aux mœurs d'un campus. Une université, c'est une petite société qui a ses rites, ses traditions, son institution, ses manières, son comportement, son agenda, son organisation, et s'adapter à des gens dont je ne sais rien. Ce sont des Américains de mon âge, je ne sais pas d'où ils viennent, je ne sais pas comment ils ont été élevés, ni rien. Donc c'est la première leçon, c'est « mon petit gars, il faut que tu t'y mettes, il faut que tu comprennes, sinon tu seras totalement lourdé ». Et donc j'ai fait ça. Et puis j'ai aussi beaucoup appris dans ce département de journalisme, on appelait ça un département de journalisme, comme une fac, où il y avait deux professeurs absolument merveilleux, et où là, c'était formidable à l'époque. Vous vous rendez compte, ils avaient déjà leur propre station de radio, donc on pouvait faire nos petites émissions de radio entre nous, et leur propre journal sur le campus, deux parutions par semaine. Alors je ne suis pas devenu le patron, mais le chroniqueur, j'ai fait la rubrique cinéma. Donc ça m'a encore permis d'un peu plus comprendre le cinéma. Ces deux années, c'est des années tellement enrichissantes qu'effectivement quand je rentre à Paris à 20 ans, je ne veux pas reprendre mes études et je veux me plonger tout de suite dans le journalisme, croyant dans ma prétention de gamin à 20 ans, on se croit ce qu'on n'est pas, qu'il suffisait que j'ouvre une porte, je dis me voilà, engagez-moi. Et là, j'ai passé un an à frapper aux portes. Des gens me disent, écoutez, est-ce que vous avez fait votre service militaire? C'était la première question. On était en pleine guerre d'Algérie. Hein. Je ne l'avais évidemment pas fait. Bon. Ça a pris, comme toujours, les débuts, c'est pas la vache enragée, mais c'est difficile. On est rejeté, il y a des échecs, il y a des tentatives. On commence à comprendre ce qui se passe dans une rédaction. Mais toujours est-il que j'avais tout de même cet avantage que m'avaient donné les deux années américaines, connaissance parfaite de la langue, connaissance pas parfaite, on ne connaît jamais les choses parfaitement, mais relativement complète de leur histoire, de l'histoire de l'Amérique, de leurs institutions, de leurs sciences politiques, de leur littérature. Et ça m'a donné un avantage sur ma génération.
D'abord, ça m'a permis, dès que j'ai commencé à avoir un job à peu près solide et sérieux, de repartir tout le temps là-bas. C'est-à-dire qu'il se passe un truc en Amérique, on envoie la bro. Donc ça m'a permis de faire, je ne sais pas, moi j'ai dû faire 100 fois l'aller-retour aux États-Unis, en couvrant des événements de toutes les années 60. Et vous allez le faire à un moment clé de l'histoire des États-Unis aussi, et vous êtes encore très jeune, puisqu'on est là le 22 novembre 1963, vous êtes aux États-Unis, vous êtes en train de faire, je pense, un reportage à l'université d'Yale, si je ne me trompe pas, et là, ben, vous apprenez, comme le monde entier, que John Fitzgerald Kennedy a été assassiné, et ça, vous allez être très très près de ce dossier pendant des années, et vous avez même, je pense, été interviewé dans la commission Warren. Oui, c'est-à-dire que donc, j'étais sur le campus de Yale pour un reportage sur une émission de télévision, pour une émission de télévision très connue à l'époque, qui s'appelait 5 colonnes à la une, qui était un magazine mensuel d'actu, qui, à mon avis, a été, disons, à l'origine de tous les magazines d'actualité qui ont suivi, et il y en a encore aujourd'hui, qui peuvent se répondre de cet héritage. Bien. Donc je suis là en train de faire, on est en train de faire un reportage, un document sur comment fonctionne une université américaine. Alors évidemment, on envoie la bro, il le sait, il l'a vécu. Donc j'arrive avec une équipe, tout ça et tout. Et sur le campus, ce jour-là, à midi, on voit débarquer un môme qui hurle en disant « The president has been shot, the president has been shot ». Il n'arrêtait pas de le répéter. On ne comprenait pas bien d'ailleurs, parce qu'il arrivait de loin, je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Et puis là, il arrive, il nous explique, on vient de tirer sur Kennedy. Et là, comme je travaillais aussi pour France Soir, le grand journal quotidien de l'époque, je me dis, je ne vais pas continuer à filmer un campus américain. J'ai laissé tomber toute l'équipe technique qui m'en a voulu pendant très longtemps. J'ai pris la voiture de location de cette équipe technique et j'ai foutu le camp à New York pour prendre un avion pour arriver le lendemain matin à Dallas. Et donc j'ai vécu pendant 3 jours la folie absolue de ce commissariat de police où j'ai croisé et même parlé avec Jack Ruby, qui deviendrait le lendemain l'assassin de l'assassin présumé de Kennedy. J'ai vu tout ça de près, je l'ai vécu. Et au point que, ça aussi, ça a été un tournant. J'étais gamin encore, hein, je débutais. 27 ans, vous avez. Non, moins de 63. Ouais, je crois que c'est un peu moins, non? Je sais plus. Soit on met l'assassinat de Kennedy en 62, vous avez un peu moins, mais si on le laisse en 63, a priori, ça doit être ça. Non, parce que j'ai toujours cru que j'avais le même âge qu'Oswald. Vous avez le meilleur destin. Ça m'a permis évidemment d'avoir pendant 8 jours ce qu'on appelle la une de François, 8 colonnes à la une, notre envoyé spécial Philippe Labro. Bon, il ne s'agit pas de vous gonfler la tête, mais ça vous fait monter de 3 crans dans, la hiérarchie journalistique française. Ça a été un tournant tel que je suis devenu plus ou moins un spécialiste de cette affaire. Et de longues, longues années plus tard, parce que j'ai pris le temps de digérer tout ça, de lire les bouquins et tout, j'en ai écrit un livre. Mais pour vous dire qu'effectivement, la commission Warren, cette fameuse commission qui a enquêté sur l'assassinat et qui en est arrivée à la conclusion qu'il n'y avait pas de complot, on pourrait passer la nuit à en parler, oui. Ont dépêché à Paris 2 agents du FBI depuis les États-Unis pour m'interroger, parce que dans un de mes papiers, dans un de mes articles, j'avais signalé que j'avais parlé avec Ruby. D'accord. 3 mots, hein. 3 bêtises. Il m'avait dit, ah, vous êtes français? Oui. Ah, 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 ah. Folie bergère. C'était ce qui ne fait pas avancer une enquête, entre nous. Hein. Mais ça vous donne une vision de ce qu'était la vision d'un voyou du Texas sur la France. Et donc, ils sont venus m'interroger, je leur ai dit qu'ils ne m'avaient rien dit d'autre, ils sont repartis. La fascination pour les États-Unis ne s'est pas arrêtée. Je pense que j'ai même lu un article comme quoi vous aviez tous les dossiers de la commission Warren dans votre bureau. Je ne sais pas si c'est vrai. Oui. Ouais, voilà. Enfin, il y a une fascination pour les États-Unis. Aujourd'hui, on voit hein, ce pays en crise politique, évidemment. On l'a encore vu hier à Porto Rico. En crise sociale, le suprémacisme blanc très récemment, il y a 3 jours, Las Vegas. Quel regard, vous, qui avez vraiment vécu cette Amérique des années 50, 60, 70, 80, quel regard vous avez sur l'Amérique aujourd'hui de 2017, qui reste quand même, et c'est là un détail qui a son importance, ben, la première puissance mondiale? Je crois que c'est Paul Valéry qui a dit... Le degré avancé d'une civilisation
se mesure au nombre de contradictions qu'elle remporte. C'est un pays contradictoire. C'est un pays qui, à la fois, vous propose des fusillades quotidiennes, pratiquement. Vous vous rendez compte que depuis le début de l'année, il y a eu 273 mass shootings. Ça s'appelle mass shootings, c'est fusillade de masse. Fusillade de masse, c'est à partir de l'instant où on tue plus de 4 personnes. Okay, 273 depuis janvier. L'année n'est pas finie. Hein. Vous vous rendez compte qu'il y a 350 millions d'armes pour autant d'Américains. Donc c'est un pays où la violence, où le port de l'arme, où l'utilisation de l'arme est aussi quotidienne et disons banale que boire un verre d'eau ici. Donc ça c'est une horreur, mais ça repose aussi sur leur histoire, qui est une histoire de conquête d'un continent, conquête de la nature, destruction d'une nation, la nation indienne, hein, et qui a fabriqué une culture de violence, de self-defense, et qui a fait que dans la Constitution américaine, il y a le deuxième amendement qui donne aux citoyens américains « the right to bear arms », le droit de porter des armes. Bon. Alors il y a ça, et ça nous amène à Las Vegas. Parce que pour moi, Las Vegas, c'est un fou absolu qui a organisé son suicide comme un spectacle de mort, et je ne crois pas, sauf preuve du contraire, mais jusqu'à ce soir, il n'y a pas de preuve que c'est un rapport quelconque avec le djihadisme. C'est un cinglé américain. Il y a à peu près 5 à 10 000 cinglés potentiels sur le continent américain. Okay. À côté de ça, vous avez une Amérique qui nous propose depuis de longues années toutes les inventions du monde moderne. C'est le laboratoire de la modernité. Ils ont inventé aujourd'hui tous les instruments de la modernité, c'est-à-dire le téléphone portable, c'est-à-dire l'ordinateur, c'est-à-dire tout ce qui fait que maintenant il y a des sociétés entières qui travaillent sur des algorithmes qui permettent de savoir tout sur tout le monde et qui font avancer l'intelligence artificielle. Tout ça, ça vient des États-Unis. Hein. Et c'est des mômes de 20 ans qui, dans un garage, sont mis à bidouiller les trucs et sont devenus aujourd'hui des milliardaires. Donc on ne peut pas réduire l'Amérique à une brigade de cinglés qui tue sur tout le monde. Et à côté de ça, il y a aussi l'héritage américain, des écrivains, des musiciens, des poètes, des artistes, des peintres. Bon. Donc voilà, c'est toutes les contradictions américaines. Alors pour répondre à votre question, on ne va pas passer la nuit là-dessus, je pense que en ce moment, ils vivent une crise effectivement, parce que l'arrivée au pouvoir de cet homme qui est aussi provocateur, aussi irrationnel, aussi impulsif, et qui se sert d'une manière inattendue et sans précédent du tweet pour balancer en 140 signes sa vision et sa politique, trouble totalement l'image de l'Amérique. Nous nous demandons, mais qu'est-ce qui se passe? Sauf que par ailleurs, l'économie est bonne. Ça reste effectivement une puissance militaire considérable, la première du monde, et la machine américaine, si j'ose dire, les ingénieurs, les inventeurs, les employés, l'industrie automobile, tout ce qu'on sait, ça continue de tourner. À la limite, on se demande même si vraiment, aujourd'hui, ce qui est important, c'est Trump à la Maison-Blanche, ou c'est Steve Jobs, Bill Gates, Mark Zuckerberg, c'est-à-dire les inventeurs de Facebook, de Google et autres. Donc ma vision, c'est que c'est triste ce qui se passe parce que l'Amérique ne mérite pas ce genre de président. Et d'autre part, nous avons affaire à un homme dont nous ne savons pas véritablement ce qu'il peut faire demain. Donc il n'y a pas de ligne de conduite. Dans une politique, quelle qu'elle soit, il faut que les gens qui nous gouvernent et pour qui on a voté annoncent un projet, le mettent en route, avec les obstacles que ça signifie. Hein. On le vit en ce moment avec Emmanuel Macron en France. Il y a les promesses, il y a les projets, puis ensuite la réalité de la concrétisation de ces projets. Là, il n'y a pas de projet Trump. Il l'a bien annoncé, bien sûr, dans tous ses discours, mais on ne le voit pas, on ne le voit pas avancer. Et d'autre part, vous parliez des suprémacistes blancs. Il y a une grande partie des blancs du Middle West et du Sud qui continuent d'avoir une culture raciste
et une nostalgie extraordinaire pour autrefois, pour les esclaves. Bien. Tout ça, c'est fini. Ils n'ont pas compris que leur société, elle est multiethnique. Il y a des Noirs, des Latinos, des Asiatiques. C'est un mélange incroyable qui fait que, ce que m'a dit un jour l'ambassadeur américain en France, un des meilleurs qui était Félix Roatine, il m'a dit, quand je suis arrivé à New York, lui aussi fuyait l'Europe et l'Europe nazie, c'est la première fois que j'ai compris que je n'étais plus un étranger. Parce qu'à New York, il n'y a pas d'étrangers. Forcément, ils sont tous des étrangers. Vous parlez des États-Unis en disant qu'il faudra un jour qu'ils réalisent qu'ils sont véritablement une société multiethnique. La France aussi, Philippe Labreau. Aujourd'hui, on a vu il y a quelques mois un second tour des élections présidentielles avec un homme du centre, disons, droit, et l'extrême droite, en l'occurrence. Donc la France aussi devrait faire cet examen de conscience et réaliser qu'elle est et qu'elle sera, et cela ne fait absolument aucun doute, une société multiethnique. Ah ben, avec laquelle elle n'a pas l'air d'être tout à fait d'accord pour le moment. Ben non, elle n'est pas tout à fait d'accord. Si vous regardez l'Assemblée nationale, regardez les visages des députés. Alors aujourd'hui, c'est du blanc au flux. Oui, oui. Ouais, non, c'est moins depuis que les macronistes, La République en marche, nouveau parti, inventé en l'espace de 2 ans, venu nulle part, sont à l'Assemblée nationale, à la place de vos joufflus, qui, eux, sont encore au Sénat. Hein. Bon, il y a du gros ventre au Sénat, il y en a moins à l'Assemblée nationale. Et effectivement, la représentation de ce qu'on appelle la diversité, c'est-à-dire les Noirs, les Maghrébins, les Asiatiques, sont pas là. Les femmes commencent à être là, il y a beaucoup plus de femmes qu'autrefois. Il y a presque plus de députés femmes à l'intérieur du parti de Macron qu'il y a de députés hommes. Donc ça bouge, ça avance. On a affaire à un homme qui en ce moment vit des moments un peu difficiles parce que ça fait 5 mois qu'il est au pouvoir et déjà tous les médias, que je n'approuve pas, d'ailleurs les médias français, sont en train de nous dire c'est pas si bien que ça, ça se passe pas bien, il y a des obstacles, il se trompe, donnez-lui du temps. Il a 5 ans devant lui pour essayer de transformer la France. Alors oui, elle sera multiethnique et ça prendra beaucoup plus de temps que dans les autres pays. Vous avez été un grand journaliste, vous avez été reporter, évidemment, Europe 1, il y a eu France 3, vous avez été rédacteur en chef à RTL, vous avez été pour TF1, pour France 2, vous avez couvert les événements dans le monde entier aujourd'hui. Et vous venez de dire, regardez ce que font les médias français, que je n'approuve pas. Ici, en Belgique, on remarque que les seuls, la presse papier est en crise, et les médias, de manière générale, sont en crise avec l'arrivée de l'Internet, etc. Aujourd'hui, on voit que les seuls papiers qui marchent sont soit les féminins, ce qui est une bonne nouvelle, soit effectivement les torchons. Aujourd'hui, vous, en France, c'est exactement la même chose. Quel regard vous avez sur la presse aujourd'hui et sur les médias aujourd'hui? Est-ce que c'est un regard un peu triste en disant « regardez ce qu'ils ont fait de notre métier » ou pas encore? Mais là, c'est pareil, on ne peut pas généraliser. Je vous demande pardon. Non, mais vous avez raison, vous êtes là pour nuancer. On ne peut pas dire les médias, il faut dire certains médias. Il y a des très bons journaux en France, et il y en a des très mauvais. Il y a des très bonnes émissions de télé, et il y en a des catastrophiques. Donc, attention, ne généralisons pas. Bien. Deuxièmement, il est vrai que certains médias ont une tendance très française à la critique. Nous sommes un pays de critiques, de gens qui aiment critiquer, nous sommes des raisonneurs. Nous venons du siècle de Voltaire, de Rousseau, de Montesquieu, de Rivarol et tous les autres. Donc nous avons un goût inouï pour, non pas la dérision ou l'ironie, mais quand même le regard un peu pointu. Et évidemment, ça se traduit par des éditorialistes, des journalistes qui cherchent, non pas la petite bête, mais la faille, l'erreur, et s'arrêtent. Et là, effectivement, le métier s'est corrompu à la petite phrase, au petit mot, oublie le contexte et accorde une trop grande importance à ce qui, avec le recul nécessaire, n'est pas important. Il faut savoir ce qu'il est et ce qui ne l'est pas, ce qui est grave et ce qui n'est pas grave. Est-ce qu'avoir dit telle ou telle chose est grave? Non. Ce qui compte, c'est lancer telle ou telle réforme et voir si elle passe. Réforme ou transformation, puisque l'intelligence de Macron et de ceux qui l'entourent, et je peux vous dire qu'il est entouré de gens très intelligents.
c'est d'avoir écarté doucement le mot réforme et d'appeler ça transformation. Ça choque moins les Français, puisque un jour il a osé dire, le président de la République, les Français détestent les réformes. Il suffisait de dire n'aime pas être réformé. Tiens. Alors, moi je pense que nous avons affaire à, là encore, un tournant. Il y a un tournant en Amérique avec Trump, il y a un tournant avec Macron. Écoutez, pardon, mais au moins il fait. Il dit ce qu'il va faire et il le fait. Alors, de temps en temps, il revient en arrière, il faut corriger, c'était peut-être tout trop exagéré, ça déplaît à tel ou tel parti politique ou telle opposition, il y a la rue qui parle, il y a tout ça. Il y a ce qu'on appelle le principe de réalité. Il y a eu le principe de désir, il désirait le pouvoir, il a proposé un projet, et puis maintenant, il faut l'appliquer. Mais donnons-lui un peu de chance, donnons-lui du temps. Et c'est là où moi j'ai un regard un peu plus critique sur mes confrères, je les trouve un petit peu trop, tentés par la critique permanente. Par ailleurs, quand même, n'exagérons rien, comme il est très séducteur, qui sait très bien manier les médias, qui donne des entretiens à certains magazines, ça va, sa communication n'est pas mauvaise. Encore une fois, écoutez, on est au mois d'octobre. Voilà, ça fait que 5 mois. Mais nous avons aussi, nous, un Premier ministre très séducteur. Non, ah je oui? présente, c'est pas vrai. Alors, je vous présenterai. En revanche, je ne connais pas son nom, vous voyez. Vous connaissez celui de notre... Charles Michel. Très bien. Vous voyez, les Belges s'intéressent à ce qui se passe en France, le voisin français étant évidemment supérieur en nombre, nous regarde du haut, mais on vous a pardonné depuis très longtemps, Philippe, ne vous inquiétez absolument pas. Mais moi, j'ai aucun regard condescendant sur votre pays, au contraire. Et en plus, il nous a apporté, nous, Français, un nombre incalculable d'artistes. Le comédien, le chanteur, et je pense qu'il y a un pont et un lien extraordinaire entre la Belgique et la France. Tout à fait. Je vous présente les valeurs liégeoises qui sont venues aujourd'hui. Liège que je ne connaissais pas du tout. C'est ma première visite. C'est pas la dernière. Je ne connaissais pas les liégeoises non plus. Ce qui, franchement, dans la vie d'un homme, et croyez-moi, est très grave. On revient à ce qui nous intéresse quand même ce soir. Ça va être après cette aventure américaine, et on y est déjà venu, ça va être votre entrée dans le monde du travail. Vous allez la raconter, hein, d'une certaine manière, dans un début à Paris. Et c'est assez dingue, parce qu'aujourd'hui, vous savez, les jeunes journalistes, c'est très difficile d'avoir des premières interviews. On commence toujours par des gens inconnus qui, a priori, resteront inconnus. Vous, votre première interview, ça va être un immense somme. Et c'est une interview que vous allez raconter, d'ailleurs, dans ce roman. Oui, c'est le premier chapitre d'un début à Paris où je raconte qu'en effet, ma première interview, c'était Blaise Cendrars, qui est un immense poète, l'auteur immortel du Transsibérien, et qui, est, à l'époque, venait de sortir un bouquin. Et à l'époque, c'était très facile. Hein. Il n'y avait pas d'attaché de presse, il n'y avait pas de relations publiques, il n'y avait pas... On prenait son téléphone et on avait Cendrars au bout de la ligne. Voilà, j'aimerais venir vous voir pour vous parler de votre livre, mais venez demain. Donc je débarque chez Cendrars, c'était pour un magazine qui s'appelait Art. Très bon magazine, très bien. J'y faisais des piges, comme on dit. J'arrive avec mon petit calepin, il m'assied, et il y a deux bouteilles de vin blanc sur la table, parce qu'il fonctionnait beaucoup vin blanc, Cendrars, et il y a deux verres. Et il n'est pas question que je ne boive pas en même temps que lui. Donc, on passe 2 heures ensemble et on écluse les deux bouteilles, ok? Et je prends des notes, quand même. Peu à peu, les notes sont un peu plus fragmentées qu'au début. Mais je me dis, je suis face à un homme qui est en train de me dire des choses formidables. Et j'en ai fait un entretien qui est paru quelques jours après et qui a démarré une partie de ma carrière. Et je le raconte dans le bouquin, effectivement. Est-ce que vous accepteriez de nous le lire, cet extrait? Oui, mais il faut prendre des extraits. On peut quand même. Oui, bien sûr. On a préparé, vous et moi, il ne faut pas croire. On ne va pas mentir, évidemment. Ça fait tout ce qui a été dit a été écrit. Alors, je vais vous dire un ou deux passages. Je vais essayer de me. J'avais commencé à prendre des notes. Il avait chassé sa réticence à accepter de revenir sur un passage de son recueil, celui qu'il consacrait aux jeunes écrivains. À tous ceux qui, débarquant à Paris, comme moi, hein, ne cessaient de solliciter son avis et son soutien. Il l'avait fait à coups de phrases courtes, de mots grommelés, arrachés de sa
poitrine, avec des petits hoquets ricaneurs, mais pas méchants, car il respirait tout, sauf la méchanceté. Il ne voulait pas passer pour un donneur de conseils, encore moins un maître, mais il me lâchait ses petites vérités à l'attention de la jeunesse du jour. Il disait « Soyez optimistes, faites vite. Si vous avez quelque chose dans le ventre, ne croupissez pas dans votre province. Ne jouez pas au maître. Voyagez. Évitez de devenir des fonctionnaires de la plume. Restez près de la vie. » C'est une phrase extraordinaire. Il trouvait la jeunesse désespérante parce qu'elle le prenait pour un vieux. Il ne s'était jamais senti vieux. Et il avait répété la dernière phrase en regardant au-delà de mon visage. « Restez près de la vie. » Et un peu plus tard, alors que je suis déjà totalement ivre, il se lève pour me dire au revoir. Il n'est pas ivre du tout, lui. Hein. Ah, mais non. Ah, mais il tient très bien, il est très bien le vin blanc. Et il me dit, juste en partant, « On écrit comme on est. » Je sors de là et je me dis, « Est-ce que j'ai tout retenu? Est-ce que j'ai pris les bonnes notes ?» Pour vous dire la vérité, comme je suis quand même un peu ivre, et je me dis, ça va mal se passer, je vais dans le premier bistrot venu. Ça, je n'ai pas tout à fait raconté comme ça dans le livre. Je me fais servir deux tasses de café avec du sel dedans. Je vais vomir tout ça dans les toilettes. Et comme ça, je suis libéré de mon ivresse sans farcienne et je peux écrire le papier. C'est ça un début à Paris. Mais ma fierté, pour terminer, c'est que quelques jours après l'apparition du papier, j'ai reçu une petite lettre. Vous savez, à l'époque, c'était ces lettres où il y a des pointillés. On enlevait comme ça. Et qui disait, très bon papier, bravo, bravo Labro, signé Sandras. Et ça vaut tous les prix de journalisme du monde. Oui, oui. Est-ce qu'il paraît que vous êtes collectionneur, vous, Philippe Labro? Visiblement, dans votre bureau, il y a du trophée, du petit mot, des livres dédicacés, etc., etc., dont notamment de quelqu'un qui était votre voisin, je pense, petit auteur un peu ridicule, qui s'appelle Milan Kundera. Voilà, à peine auteur. Et il y a une anecdote qui est incroyable que vous avez racontée. Vous dites, de temps en temps, je voyais son bureau. Oui. Et le soir, sa petite lampe était allumée et vous disiez, Kundera travaille et pas moi. Ben oui, j'habitais dans une impasse, ça s'appelle l'impasse Récamier. Et effectivement, on était au cinquième et Milan avait de l'autre côté de l'impasse un petit studio attenant à un appartement qu'il partage toujours avec Vera. Kundera, il faut bien dire, effectivement, c'est un des plus grands écrivains contemporains, l'insoutenable légèreté de l'être et autres chefs-d'œuvre. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a très longtemps qu'on aurait dû lui donner le Nobel, mais on ne lui donnera pas. Bien. Et donc, je voyais cette lumière et la silhouette, il est très grand, très bel homme, hein, un peu penché de Milan, et je me disais, et voilà. Il a, je sais pas, il avait déjà 70 ans ou quelques. Il travaille, et toi, qu'est-ce que tu fais? Je me suis toujours posé la question, qu'est-ce que tu fais de ta vie? Que fais-tu de ton talent, si tu en as un? Et toute la question, c'est de faire le plus de choses possible. Le plus possible, de faire le plus de choses possible implique aussi le fait de pouvoir éventuellement se disperser et de ne rien faire. Oui, mais enfin, on fait... Non, moi, je pense que le travail vous sauve de tout. Mais pour moi, ce n'est pas du travail. Vous comprenez bien qu'écrire un livre, ce n'est pas du travail. C'est une passion, c'est une vocation, c'est un bonheur. C'est difficile. Ce n'est pas douloureux, les gens disent, la douleur de l'écriture. C'est de la blague, ça, ça ne veut rien dire. C'est une chance de pouvoir écrire. Mais ce n'est pas simple. Et c'est de moins en moins simple à mesure qu'on avance dans la vie. Parce que quand je relis mes bouquins, là, ceux-là, aujourd'hui, je n'écris plus comme ça. J'ai simplifié mon écriture, je l'ai rendue la plus fluide, la plus limpide possible. Parce que je pense qu'il faut être le plus intelligible possible pour être lu par tout le monde. Et s'en tenir à la définition de l'intelligence de Dostoïevski qui disait « L'intelligence consiste à savoir qu'une lampe est une lampe. » Et c'est aussi simple que ça, évidemment. C'est bien. On vient dans l'intime, on a dit, hein, dans vos romans, et ce sont bien des romans parce qu'il y a une part très grande d'imagination, mais qui colle quand même à votre réalité d'enfant, d'adolescent, de jeune adulte, d'homme qui va arriver à Paris, rentrer dans la vie active. Il y a une chose, un mot assez agréable, dont on n'a pas encore parlé aujourd'hui, c'est la mort. La mort, c'est quelque chose que vous avez frôlé dans votre vie, après avoir fait un œdème du larynx, et vous avez raconté
cette expérience de mort imminente dans la traversée. Est-ce qu'à partir de là, quand on prend un événement à ce point précis, intime, traumatisant de sa vie, est-ce qu'on rentre dans une époque où l'écriture devient une manière de se sauver ? Oui, mais ça vient après coup. Vous l'écrivez une fois que vous avez été sauvé. Non, mais est-ce que l'écriture en elle-même vous permet d'avancer encore, de comprendre ce qui est arrivé, de le dédramatiser, d'avancer encore, sûr. Et que sans ce bouquin-là, la vie va être plus moche. Non, mais de toute façon, l'écriture est une délivrance, l'écriture est une catharsis, ça vous permet effectivement... J'ai aussi écrit un bouquin sur la dépression, parce que j'ai vécu deux périodes de dépression très fortes. Une fois que ça s'est passé, que j'étais totalement guéri, j'ai eu l'envie de le raconter, puisqu'encore une fois, mon seul talent, si j'en ai, c'est de raconter. Et quand vous passez effectivement à côté, je ne suis pas le seul, le nombre d'êtres humains qui sont passés à travers l'expérience hospitalière, vous en sortez non pas différent, parce que chasser le naturel, il revient au galop. Vous êtes qui vous êtes, et vous l'êtes depuis l'âge de 12 ans. Un écrivain qui disait « Tout est joué à 12 ans, ou à 15. » Bon, néanmoins, ça vous transforme. C'est-à-dire que vous avez un autre regard sur les autres, sur la douleur des autres. Vous relativisez mieux. Qu'est-ce qui est sérieux, qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc, au sortir, par exemple, de la traversée, ça m'a toujours frappé. J'ai ouvert un ascenseur et je me suis heurté très violemment le pouce. J'ai pas eu mal. J'avais eu tellement mal à l'hosto que j'avais plus mal. Et j'avais eu tellement peur que je n'ai plus peur. Et c'est très intéressant parce que ces expériences-là vous donnent une approche donc, de la mort dont vous parlez, beaucoup plus sereine. Beaucoup plus... On accepte. Dans la vie, il faut s'accepter. Et une fois que vous êtes accepté, ça va mieux. Sachez qui vous êtes. Ce que disent Sandrars. Hein. Et ce que disent les Grecs. Gnotis et Autone. Connais-toi toi-même. Donc, les épreuves médicales, les épreuves de santé, les épreuves de violence, de danger, de risque et de douleur font que vous vous connaissez mieux. Et puisque vous connaissez mieux, vous connaissez mieux les autres. Le danger d'un écrivain, et j'en suis l'exemple vivant, c'est qu'il parle beaucoup de lui quand même. Hein. C'est du moi-je, moi-je, moi-je. Donc pour chasser le narcissisme qui est inhérent en chacun de nous, écrivains, eh ben, il faut regarder, écouter et comprendre les autres. Et l'expérience de me rapprocher, l'expérience de l'hôpital, l'admiration que j'éprouve et que j'exprime à chaque fois que je peux pour les aides-soignantes, les infirmières, le personnel médical français qui est remarquable. Je ne sais pas ce qu'ils voient en Belgique, mais nous, on a un personnel extraordinaire. Le système médical français est pour moi un des meilleurs du monde. Et ces femmes-là, qui sont mal payées, qui arrivent le matin avec leurs propres problèmes, qui arrivent dans le métro, qui sont là, qui mettent leur blouse et qui vont toute la journée s'occuper d'un autre, s'occuper des autres, c'est pratiquement des saintes pour moi. Je les ai considérées comme des saintes pendant que j'étais malade. Et donc, vivre de telles épreuves vous permet de mieux comprendre, de mieux connaître une très grande partie de l'humanité. Ce qui est très joli, hein, évidemment. Ça, c'est la traversée. Il y aura un autre passage très... difficile de votre vie que vous allez raconter, dont tomber cette fois sur relevé 8, qui est l'histoire d'une grande dépression, en l'occurrence la vôtre. J'aimerais maintenant qu'on s'arrête sur autre chose qui n'a rien à voir et qui est effectivement cette autre carrière que vous avez eue comme parolier. Parolier dans la musique, vous avez écrit des chansons pour plusieurs personnes. Évidemment, il y a toujours une face immergée d'un iceberg chez vous. C'est Johnny Hallyday, évidemment, pour lequel vous avez écrit Jean-Philippe Smet. Jean-Philippe Smet. Tout à fait, il est d'ici. Et alors, vous avez écrit des chansons qui ont, sans vous faire d'offense, plutôt été oubliées, sauf une qui est très très importante, qui s'appelle Sarah. C'est vous avez écrit quand même un des grands tubes d'Hallyday. Oui. C'est quand même pas mal quand même dans une carrière, non ? C'est plus que pas mal, c'est très bien. Ouais. Pour le portefeuille, vous voulez dire ? Ouf, oui, les droits d'auteur, oui, ça existe aussi. Ça vous permet d'acheter une maison que vous laissez à votre première femme pendant que vous divorcez. Donc,
Et vous recommencez à zéro. On dit merci Johnny. Merci la vie. Merci la vie. Merci la vie. Alors pourquoi avoir eu cette envie? Alors parce que le romancier, il s'étend, etc. La chanson, la structure de la chanson, c'est un format très court, où il faut raconter beaucoup de choses en peu de mots, etc. Qu'est-ce qui vous attirait dans ça? Est-ce que c'était tout simplement vous mettre au service d'une voix, d'un chanteur, ou c'était autre chose? Alors c'était d'abord mon vice majeur qui est l'éclectisme. J'aime bien faire beaucoup de choses qui sont dans le même domaine quand même, qui est toujours écrire. Parce que tout part du mot. Hein. Un film, et j'ai fait 7 longs-métrages de cinéma, avec des stars comme Belmondo, Montand, Brasseur, etc. Mais au départ, c'est un scénario, et vous l'écrivez. Bon, une chanson, au départ, ce sont des mots, c'est l'écriture. Donc de toute façon, c'est une discipline d'écriture, très différente d'un roman, bien sûr, très différente d'un article journalistique, d'un reportage. Ça revient quand même toujours à la même chose. Je veux m'exprimer avec mon petit crayon sur du papier, et le faire de façon aussi courte et dense, parce qu'une chanson c'est 3 minutes, hein, que le roman m'a permis d'en faire en 300 pages. Donc passer les 300 pages d'un roman aux 3 minutes d'une chanson, je trouve que c'est un défi, que c'est intéressant, c'est difficile. Et c'est exaltant parce que là encore, il y a un résultat. C'est-à-dire que une fois que ça a été écrit, qu'on le fait rentrer dans le corset musical, et vous vous retrouvez avec un chanteur extraordinaire, parce que Johnny, c'est un chanteur extraordinaire, et qui a mûri de façon inouïe. La voix de Johnny aujourd'hui, c'est une voix d'une force, d'une beauté, d'une profondeur. Et d'ailleurs, j'admire que malade comme il est, car c'est un homme malade en ce moment, il soit quand même encore capable d'être sur scène et de nous balancer des tubes. Donc, quand vous vous retrouvez en studio avec lui, et que il interprète ce que vous avez modestement jeté sur le papier, c'est une exaltation, c'est un bonheur, c'est une joie, c'est une fierté. Alors effectivement, Sarah, ça fait partie des chansons que j'ai écrites pour lui dans les années début 70, et c'est de toutes celles que j'ai écrites pour lui, il y en a encore deux qui chantent régulièrement, il y a Sarah, puis il y a une adaptation d'une chanson américaine qui s'appelle « Fils de personne ». Voilà. Et pourquoi il continue de chanter Sarah? Parce que je pense que la musique est formidable. Elle est très très bien écrite par deux Américains avec qui on avait travaillé à cette époque. Il y a une belle structure, il y a des rebonds, le couplet, le refrain. Ils ont mis des chœurs derrière, des chœurs de filles, de voix de filles qui disent « Sarah, Sarah ». C'est costaud, ça existe et c'est spectaculaire sur scène. Et puis les paroles, on en revient à mes petites paroles, jouent quand même un rôle. Puisque, qu'est-ce qu'il dit, le chanteur? Il dit des choses atroces à sa jolie Sarah. Il lui dit, qu'est-ce que t'attends pour me donner ton corps? Ce qui n'est pas de mauvaise question, hein? Non, c'est une question qui est souvent posée, d'ailleurs. Que j'ai souvent posée à une certaine époque. Et Sarah ne lui donne pas tout de suite. Il lui dit, fais attention, parce que ça va vite, la vie. Tu sais, tout passe, tout casse, tout lasse. Le désir, le plaisir se dilue dans l'espace. Bon, bref. Premier couplet. Deuxième couplet. Oh, ma jolie Sarah, tu m'as donné ton corps. Merci pour ton effort. Ton effort? C'est absolument dégueulasse de dire ça. À l'époque où j'ai écrit ça, je devais être dans un moment de misogynie rare. Oui. Mais je l'admets. Au point que j'ai un copain que vous connaissez si vous regardez un peu la télé, qui s'appelle Nagui, qui m'a toujours dit, écoutez quand même, Philippe, vous êtes allé un peu loin, là. Parce que c'est pas... Il dit pas merci pour ton effort, il dit merci, merci pour ton effort. C'est encore pire. Et si j'en parle, si vous en parlez, c'est parce que dans Ma mère, c'est inconnu, il y a un passage où ma mère, que je vois irrégulièrement, je me sens coupable d'aller la voir que tous les 3 mois. Je reste pas longtemps parce qu'il y a l'avion à prendre et que je suis un cinglé du timing et je me dis je vais être en retard, je vais louper l'avion. À partir de 16h, l'avion est à 19h, 20h, je commence à être malade et je regarde ma montre. C'est une maladie journaliste, ne jamais rater un train ou un avion. Et donc ça se passe bien, on s'embrasse, elle me raconte un peu sa vie, je prends des notes pour écrire le bouquin. Et puis je lui dis écoute, je reviendrai très vite, oui, mais ça fait quand même 3 mois, hein. Oui, bien sûr, lui dis-je. Je t'aime, ma chérie, tu m'aimes, oui, très bien. Et je m'en vais vers la porte pour aller prendre le taxi qui m'attend, que j'ai évidemment convoqué 1 heure plus tôt prévu. Et là, je l'entends me dire, du fond de la pièce, merci pour ton effort.
attendez, voilà une femme qui, à l'époque, elle devait déjà avoir 85 ans, hein, qui donc me démontre plusieurs choses. Elle me démontre d'abord qu'elle a une bonne mémoire, parce que la chanson date des années 70. Deux, qu'elle a beaucoup d'humour, et un humour assez sévère. Parce que trois, ça veut dire que tu es bien gentil, tu viens tous les trois mois, tu regardes ta montre à partir de 16 heures, ça va comme ça. Et donc, c'est la première fois d'ailleurs que je l'entends, qu'elle n'a jamais été sévère avec moi, mais que j'entends me dire à travers ce merci pour ton effort, bon, tu es qui tu es, hein, je ne suis pas dupe. Et ce soir-là, mon cher ami, j'ai raté l'avion. Ben oui, je suis resté. Ah, j'ai refermé la porte. Ah, c'est beau. Et on va en venir, justement, à cette mère. Elle s'appelle Henriette, son surnom, c'est Netka. Netka, qui est un pseudo, oui, Netushka. C'est une, elle a 50% de sang polonais. Et vous la racontez, hein, dans Ma mère, c'est inconnu, c'est sorti d'une collection blanche chez Gallimard, c'est extrêmement prestigieux, cette chose. Et donc, vous allez nous raconter cette femme qui va être sans cesse abandonnée, hein, dès son plus jeune âge. Donc elle va naître d'un père polonais qui a des terres, etc., etc., et d'une maman qui est institutrice française. C'est ce qu'on appelle une bâtarde. Il faut l'appeler comme elle est, d'ailleurs, c'est ce que vous nous expliquez. On ne va pas vouloir s'en occuper, le père ne va pas la reconnaître. Elle va être envoyée en Suisse. Oui. En Suisse, il y a une nanny qui va s'occuper d'elle, à laquelle elle va beaucoup s'attacher, hein, d'ailleurs. Mais à un moment, ben, je pense que les finances de la famille fonctionnent moins, donc on l'envoie en France chez une marraine qui finira par adopter, je pense, le frère de votre mère, mais non pas votre mère, et elle va être sans cesse abandonnée jusqu'au moment où elle va rencontrer votre père. Ça s'appelle, en termes psychiatriques et psychanalytiques, l'abandonite. L'abandonite, c'était un enfant qui se sent et qui est abandonné. Il n'y a rien de pire pour un enfant de se sentir abandonné. La solitude de l'enfant. C'est ce que j'ai appelé un enfant valise. On l'amène comme une valise d'une pension à une autre. Et il faut qu'elle construise sa vie quand même. Et quand même, parce que j'ai eu des témoignages, malgré ça, elle est gay, elle écrit des poèmes au bal de Saint-Cyr, puisque le frère va faire Saint-Cyr pour être militaire, mon oncle. C'est elle la plus belle, elle veut séduire. C'est un mélange à la fois de solitude, d'abandonnite, et en même temps de volonté de vie, de volonté de vivre. Et donc, c'est un personnage, comme tous les êtres humains, complexe, compliqué, mais qui m'émeut aujourd'hui encore plus que quand je la voyais et que je l'aimais, parce que, avec le recul de ma propre vie, et avec ce que je crois comprendre et connaître des êtres humains, je la trouve bouleversante. Et j'ai essayé de le faire dans ce bouquin en n'étant pas dans le sirop et dans le sentimental, dans le pleurnichard. J'ai voulu être assez, et c'est pour ça que je vous dis mon écriture a changé. Quand je relis ce bouquin et je peux relire les ça autres, c'est pas pareil. C'est plus sec, c'est plus. J'ai coupé les branches et j'ai essayé d'être le plus factuel possible. Néanmoins, en m'arrêtant de temps en temps pour poser la vraie question que je me suis posée à la sortie de cet incident Sarah, ça m'a quand même tourné dans ma tête et je me suis dit. Au fond, et c'est une question qu'on peut tous se poser, aimons-nous assez ceux que nous aimons? Les avons-nous assez aimés? Maintenant qu'ils ne sont plus là, on se pose la question, fallait le faire quand ils étaient là? Les ai-je assez vus? Ai-je assez parlé avec mon père? Suis-je assez allé voir ma mère? Moi et mes frères, d'ailleurs, je ne suis pas le seul dans cette histoire. Ce n'est pas de la culpabilité, c'est une question, c'est... Est-ce qu'on aime assez ceux que l'on dit aimer, ceux que l'on croit aimer? Je vous ai rencontré à la radio il n'y a pas très longtemps pour parler de ce livre et je vous ai demandé, est-ce que vous, Philippe, vous estimez que votre mère, est-ce que vous l'avez assez aimée? Et très très vite, vous m'avez dit non. Ben, d'abord, je crois qu'on n'aime jamais assez. Ouais, voilà. C'est inépuisable, l'amour. Il faut donner tous les jours. Hein. Et c'est parfois dans des gestes quotidiens, c'est des petites choses. L'amour, c'est aussi la banalité du quotidien. Oui, simplement quand même, on avait établi un lien très fort, c'est qu'on s'écrivait au moins une fois par semaine. Je lui ai écrit pendant 30 ans ou 40 ans. Et bien sûr, avec le recul, on peut dire ça de tous les gens qui disparaissent, parce que la disparition vous oblige à une réflexion.
y a le deuil, le travail du deuil, comme on appelle ça, qui fait que vous dites, oui, j'ai assez profité de leur générosité, s'ils en avaient, de leur humour, s'ils en avaient. Il fallait qu'ils m'apprennent des choses, les ai-je bien toutes retenues. Mais ça vous oblige aussi, Dieu merci, à devenir ou à redevenir un père ou un grand-père beaucoup plus attentif. Parce qu'il faut transmettre, puisqu'elle nous a donné, nous, mes frères et notre entourage, de telles leçons, il faut essayer de les redispenser et les appliquer à votre propre existence. Donc, l'amour des autres vous améliore, quoi qu'il arrive, et vous permet peut-être d'en donner un peu aussi. Donc, tout ça a fait que, ça fait maintenant, ce livre est paru le 30 mars dernier, j'arrête pas d'en parler, et il faut que j'arrête, parce qu'il faut que j'écrive le prochain. Donc, il faut quand même qu'à un moment donné, je mette de côté ma mère, c'est inconnu, puisque tout être humain, quel qu'il soit, nous est pratiquement inconnu. Nous ne savons pas complètement qui sont les autres. Il y a toujours une part de silence, de mystère, de pudeur, de déni, de cachet. Il y a la complexité d'un être humain. Et par conséquent, cette inconnue, elle est là. J'ai voulu, puisqu'elle n'a pas connu la gloire, parce que dans un de ses poèmes, elle disait... J'aurais bien aimé connaître la gloire qui m'aurait donné le nom qu'on ne m'a pas donné. Mmh. J'ai voulu au moins qu'elle soit glorieuse aujourd'hui. Voilà. Et c'est réussi, évidemment. Ouais, on va voir. Hein. Vous pourriez nous lire un extrait ? Oui, mais alors lequel ? C'est pas connu. Écoutez, c'est votre livre, c'est vous qui décidez, mon cher. L'extrait... Je ne vais pas vous donner d'ordre. Sarah, c'est fait. Hein. Je vous ai raconté alors, ça vais... comme il fallait. Ici, si vous voulez. Attendez, retrouvez. Il y a ici, si vous voulez. Ah oui, oui, si. Vous l'avez ? Il y a un truc très intéressant, c'est... Très longtemps après, on est au lendemain de la guerre, et un jour, le téléphone sonne chez mon père, et il y a une dame au téléphone qui lui dit, voilà, je suis Madame Carizet, j'ai retrouvé votre trace grâce à la Croix-Rouge, je ne sais pas pourquoi si c'est la Croix-Rouge, et j'aimerais évidemment, je sais que vous êtes marié avec ma fille, j'aimerais la retrouver et connaître mes petits-enfants. Et mon père lui dit, écoutez madame, ne quittez pas. C'est pas lui à décider. Il considère que c'est pas lui à décider. Donc, il pose l'appareil, le gros appareil. C'était l'époque où les téléphones, c'était ces gros objets en bakélite noir, mystérieux, dont on se servait une fois tous les 8 jours. Et il descend l'escalier où nous sommes tous en train de jouer. À peine Netka, donc a-t-elle vu Jean, c'est le prénom de mon père, marcher à pas pressés sur le chemin d'herbe qui mène aux 4 peupliers, ils avaient planté 4 peupliers, 4 comme les garçons, que Netka a laissé les enfants sur la balançoire, une corde à nœuds, s'est dirigé vers son mari. « Qu'est-ce qu'il y a, Jean ? Tu as l'air contrarié. » Il va vite, mais il choisit tous ses mots avec scrupule. « Netka, j'ai ta mère là-haut au téléphone. Elle dit qu'elle nous a retrouvés par la Croix-Rouge. Elle souhaite te revoir. Elle veut connaître les enfants. » Et il ajoute « ses petits-enfants ». Netka ne prend aucun temps pour réagir. Elle secoue la tête, non. Elle répète non à voix basse, afin que les enfants ne puissent suivre la conversation de leurs parents, mais elle le dit avec force, avec la rapidité de l'instant et de l'instinct. Non, Jean, je ne veux pas. Et c'est ta mère, Netka. C'est leur grand-mère. Elle attend là-haut au téléphone. Je dois lui donner une réponse. Netka est ferme, froide, déterminée. Non, c'est ma décision, c'est à moi de décider, à personne d'autre, je ne veux pas la revoir. Tu es certaine ? Oui. Tu es libre, Netka ? Oui, je suis libre. Personne ne peut me dicter. C'est là où vous voyez la femme forte. Hein. Mais je ne t'ai rien dicté, lui dit-il. Je te dis seulement que non, on ne peut pas attendre. Eh bien, mon chéri, n'attends pas, remonte dans le bureau et dis à cette femme... Elle ne dit pas à ma mère. « Dis à cette femme que je refuse de la revoir. Je refuse. » Alors, moi, j'ai quand même voulu plus tard
lui parler de ça, parce que mon père nous l'a raconté. Et je lui ai demandé pourquoi, moi qui suis curieux, puisque le journalisme c'est la curiosité, pourquoi au moins tu la revois une fois, pendant une heure, même pas à la maison, pour lui poser la seule question importante, qui est la question du Christ sur la croix, pourquoi m'as-tu abandonné ? Et je lui dis, j'ai envie de comprendre, je t'en prie, ne me prends pas ça mal, je voudrais savoir pourquoi tu as refusé de la revoir. Elle me répond, Henri, c'était son frère donc, et moi on la détestait, elle nous avait fait trop de mal. J'étais en train de jouer avec vous, ton père m'a posé la question, je n'ai plus voulu la revoir. Explique-moi, tu n'avais pas au moins la curiosité de savoir ce qu'elle avait fait ? Non, jamais. Elle m'interrompt, et elle me dit, je t'ai dit, Henri et moi avions fait ce pacte. Et puis elle montre la photo des quatre garçons sur la plage quand j'étais gamin, et qu'elle est au milieu d'elle, comme leur sœur aînée d'ailleurs. Et elle me dit, et puis il y avait vous. Oui, il y avait vous. Je ne voulais pas qu'elle, point de suspension, elle ne voulait pas que sa mère pénètre dans le cocon d'amour, la bulle d'amour qu'elle s'était fabriquée avec Jean, avec les quatre garçons, et elle ne voulait pas qu'elle fasse, cette femme, comme elle l'appelle, ce qu'on appelle en politique de l'entrisme. Elle craignait qu'elle pollue l'atmosphère familiale. Elle ne me l'a pas dit comme ça, elle m'a dit, il y avait vous. Et moi, je trouve ça passionnant. C'est une nature compliquée. Hein. Moi, j'aurais dit, écoute, tu la prends, tu vas à l'hôtel, dans un bar, et pendant une heure, vous parlez. Pas question. Elle avait trop souffert. Il y a une chose que vous racontez dans ce livre, Philippe Labreau, qui est absolument fascinante et que peu d'entre nous auront ou la chance ou le déplaisir de vivre, c'est qu'en enquêtant sur votre mère, parce que c'est une inconnue, vous avez découvert beaucoup de choses sur elle, et puis vous êtes journaliste, et pas pour rien, vous êtes tombé sur les lettres d'amour de vos parents. Et ça fait partie de certaines vies, peut-être que certains d'entre vous l'ont vécu ou vont le vivre. Il y avait, j'imagine, une boîte où étaient conservées les lettres d'amour qu'ils se sont envoyées. Est-ce que vous avez hésité avant de les lire, ou c'était une évidence parce qu'ils ne sont plus là, aucun des deux, et vous avez accès à une intimité à laquelle, a priori, un enfant n'a pas concernant ses parents? Bah oui, parce qu'un enfant ne sait pas ce qui se passe entre deux adultes. Il ne se pose jamais la question de savoir comment ils se sont rencontrés, comment ils ont fait l'amour pour la première fois. C'est ça aussi, quand même. Hein. Vous l'avez lu? Bah, c'est-à-dire que je l'ai lu, en partie. Je n'ai pas tout lu, il y a 600 lettres. Ils se sont écrits 600 lettres. Et j'avais une sorte de, non pas de gêne, mais d'embarras. Et en même temps, je me disais, tu n'es pas obligé de lire les 600 lettres, je ne les ai pas toutes lues, bien sûr, mais au moins, tu comprendras mieux le lien qui s'est fabriqué entre cet homme, qui à 40 ans considérait que sa vie était finie, il avait eu toutes les femmes qu'il voulait, c'est un célibataire endurci, plutôt misogyne d'ailleurs, très distant des autres, et cette jeune fille dont il est tombé éperdument amoureux. Donc c'était des lettres absolument passionnantes, lyriques. Ces gens-là écrivaient autrement qu'on écrit aujourd'hui. Ils n'avaient pas les 140 signes de M. Trump, hein. C'était des pages et des pages. En plus, l'écriture est différente. On n'écrit plus comme ça aujourd'hui. C'est le graphisme, c'est du dessin à la limite. Et mon père en particulier, qui a été très littéraire, hein, il a lui-même écrit 3 livres, hein, qu'il a publié à compte d'auteur. Donc vous voyez d'où je viens, moi, d'un père qui écrit des livres et d'une mère qui écrit des poèmes. Donc j'ai aucun mérite, hein, j'ai simplement reçu quelques gènes. Et donc c'était un français qu'on n'écrit plus aujourd'hui. C'est très beau. Et j'ai pas voulu aller trop loin. J'en ai lu une ou deux qui étaient tellement précises. Parce qu'en plus, ils sont dans la pudeur. Quand elle dit simplement, il lui dit simplement, je veux pouvoir caresser à nouveau tes cheveux. C'est tout. Ça veut tout dire. Bon. Et elle lui dit, j'ai le souvenir de ton corps, un point à la ligne. Mais c'est de la poésie, c'est de l'amour. Je pense d'ailleurs que ça continue d'exister, simplement, les gens l'expriment autrement. C'est tout. Faut pas croire non plus, faut pas être nostalgique. Bon,
les expressions, le vocabulaire, le langage, le comportement ont changé. Ce qui ne change pas, c'est ce qui se passe entre un homme et une femme, ou entre un homme, entre une femme et une femme, ce qui se passe entre deux personnes qui s'aiment. C'est la définition d'ailleurs de Roger Vaillant, je crois, de Proust, qui disait « L'amour, c'est ce qui se passe entre deux personnes qui s'aiment ». C'est joli. C'est parfait. Et je pense même que c'est une excellente conclusion. Oui, j'espère. Merci. Je vous en prie. Philippe Labreau, de nous avoir accordé cette rencontre. Je rappelle, Philippe Labreau, Ma mère, c'est inconnu. C'est un livre que vous allez pouvoir vous procurer ici, dans le foyer du Palais des Congrès. Et je pense devoir appeler Nadia, qui va venir vous dire un dernier mot. Mais est-ce qu'elle est là ou pas? Je n'en ai absolument aucune idée. Applaudissements pour Philippe Labreau, évidemment.